l'été a rangé sa panoplie de tongs, de lunettes de soleil, de crème solaire et replie tout doucement ses parasols. Mais j'espère que vous avez quand même le moral parce que moi je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Infiltré. Et on commence sur une note solidaire chez nos voisins en Mayenne qui ont décidé de rouler, de pédaler, de fouler les chemins dionysiens au profit de la Ligue contre le cancer. Ensuite, cap sur Alonne pour un des grands événements populaires de la rentrée qui favorise les rencontres et la découverte. Puis ensuite, à Saint-Calais, le croissant a des goûts de réveil, le pain au chocolat des goûts de goûter et définitivement le fameux chausson aux pommes a un goût de gourmandise assumée, un ingrédient idéal pour une fête réussie de près de 4 siècles. Et on finit sur une note créative, fusain, acrylique, aquarelle, huile, quelle que soit la technique, eh bien elle est libre. La toile est donnée et tout est là pour inspirer ceux qui ont une âme d'artiste à Ivry-le-Pôlin. Mais tout de suite, on part où? Eh bien, en route pour Saint-Denis d'Anjou. Allez! Eh bien, nous voici arrivés à Saint-Denis d'Anjou, précisément, c'est en Mayenne, à côté de Sablé. Et ici, aujourd'hui, il est question de joindre l'utile à l'agréable. En effet, découvrir les chemins de randonnée de Saint-Denis d'Anjou et quatre communes alentour. Et pour la petite histoire, eh bien, ce sont des chemins historiques, figurez-vous, puisqu'il s'agit des chemins de rando, la rando bourguignonne de Bouer, qui existait autrefois. Et croyez-moi, eh bien, ils sont prêts à donner de la pédale, hein, les mordus de vélo, et les amateurs aussi à donner de leur personne, parce que c'est au profit de la bonne cause, c'est-à-dire pour la Ligue contre le cancer. Allez, c'est parti, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés à Saint-Denis d'Anjou. Nous sommes sous les halles, les anciennes halles, et je suis avec Éric Bouteloup, qui est l'organisateur de cette rando VTT et pédestre. Bonjour Éric, ça va? Bonjour. Ça va, ça va. Un peu stressé, mais ça va. Ça va. Parce que c'est une première, la primeur de cet événement. Oui. Une première, ça me faisait plaisir de la faire. Honnêtement, je voulais la faire pour sauver des vies ou donner de l'argent pour la Ligue contre le cancer. Ça, c'était important pour moi. C'était ça le premier objectif. Voilà. Et là, pourquoi avoir voulu donner pour la Ligue contre le cancer? Parce que dans ma famille, il y a déjà qu'on touchait dans le cancer. Et moi, je voulais leur faire plaisir. Ma maman est décédée d'un cancer. Mon oncle, mon cousin, il a eu le cancer. Et on a pas mal de monde dans la famille qui a été touché malheureusement par cette maladie. Voilà. Donc moi, je voulais apporter quelque chose pour eux. C'était une manière de rendre hommage à votre maman. Et Voilà, c'est ça. Alors, un tel événement, c'est quand même c'est pas évident à organiser. Vous n'êtes pas tout seul, je crois qu'il y a votre fille avec vous. Il y a ma fille et puis il y a ASMVTT, oui, excusez-moi, qui sont là pour m'aider. Heureusement qu'ils sont là pour m'aider. Parce que vous êtes VTTiste à l'origine? Oui, oui. Vous savez combien de temps vous faites du VTT, Eric? 10 ans. 10 ans, ouais. Et donc c'est vous qui avez fait la reconnaissance des parcours, comment ça s'est passé? C'est moi qui ai fait toute la reconnaissance des parcours, qui a été voir les privés, parce que j'ai des privés, changer un petit peu du parcours quotidien. Ah, donc il y a des domaines privés qui ont ouvert spécifiquement pour l'événement? Voilà, c'est ça. Comme quoi par exemple? Le château de la Haute-Porte. On n'est pas peu fiers, Eric, hein, quand on dit ça. On a le Rocher aussi, le château du Rocher, qui est un gîte aussi. Voilà, il y a Bouer qui est très joli comme village, et ça je tenais un cœur à passer là parce que c'est magnifique par là, il y a des beaux chemins et ça me faisait plaisir. Et avant, il y avait une randonnée qui existait à Bouer, ça s'appelait la Bourguignonne, et c'était une très belle randonnée et je voulais retrouver ces chemins. Voilà. Donc le côté un petit peu historique en plus, on découvre notre patrimoine. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, en termes de sécurité, j'imagine qu'il y a plein de choses qui ont dû être mises en place. Alors oui, sur les nationales, on a mis des gens qui arrêtent les... Comment on appelle ça? Les véhicules? Les VTTistes. Les véhicules sont prioritaires. Ah d'accord, je pensais que c'était l'inverse, voyez-vous. Non, parce que bon, ça reste qu'une randonnée. D'accord. Voilà, alors donc on a mis des gens tous à l'intersection nationale. Quand les petites routes cantonales, on n'avait pas besoin. Voilà. Donc il y a des demandes à faire, j'imagine, en amont. Alors, donc on a fait une demande en préfecture qui a été accordée. Voilà. Et ça prend combien de temps? C'est longtemps avant ou ça se fait La préparation? Oui. On a mis un an. Ah quand même, ouais. Un an, c'est... Parce qu'il faut aller voir les privés, il faut aller voir la permission si on a le droit de passer, trouver le parcours par où il fallait qu'on passe. Donc c'était beaucoup de demandes. Alors il y a combien de parcours au total d'ailleurs? Alors il y a 4 pédestres et 4 VTT. Et donc, les distances à chaque fois, c'est quoi? Alors, en pédestre, il y a 5, 8, 12 et 17. En VTT, il y a
27, 39, 49 et 62, voilà. Oh, 62, dites donc, faut y aller quand même. Oui, oui, ça se passe bien, mais ça, c'est faisable, voilà. Et alors, j'ai cru comprendre que les pédestres et les vélos ne partaient pas du même endroit. Non, parce que je voulais absolument sécuriser les pédestres et les VTT, voilà. Donc, il y a juste un endroit où ils vont se croiser, mais ça va être que ça, voilà. Alors, et puis alors, donc évidemment, il y a des bénévoles, je vois qu'il y a des gens qui prennent les inscriptions, etc. Ouais. Combien de bénévoles au global? Alors, en tout, on est 30. 30 bénévoles avec l'inscription, le bar, les gens qui gardent les routes, les gens des quads, parce qu'il y a des quads qui font les tours pour vérifier le balisage, parce qu'on a eu déjà des soucis, des rues balises qui ont été enlevées, donc il faut remettre ça. Il y a des gens qui font ça? Et oui. Heureusement, pour une bonne cause, il y a des gens qui font comme ça. Non, voilà. Mais c'est incroyable, alors là vraiment, dans quel monde vit-on? Voilà, je suis d'accord, je suis d'accord avec vous, parce que c'est énormément de travail, on essaie de récolter des gens, de l'argent, et il y a des gens qui cassent les rues balises. Donc tous les bénéfices seront reversés à la Ligue? Tous les bénéfices seront reversés contre la Ligue contre le cancer, voilà. C'est formidable. Oui. Et votre fille s'appelle comment? Camille. Ah, parce qu'il faut dire merci à Camille quand même, parce que Camille, elle travaille avec vous, dites donc. Il n'y a pas Camille, il y a Camille et Pablo, son copain, que je remercie énormément, parce qu'ils m'ont fait un énorme boulot. Ils ont quel âge, Camille et Pablo? 21 ans. Ah, c'est bien, c'est la jeunesse, voilà. C'est la relève, c'est bien ça. Ouais, je suis très content et je suis fier d'eux, parce que là, ils m'ont fait un boulot énorme. Et puis alors là, vous nous avez mis en place aussi un petit food truck, ça c'est pour après? Oui, il y en aura deux. Après, si vous voulez, les gens, ils viendront manger à leurs frais pour repartir tranquillement. Donc voilà. Tout ça toujours au profit de la Ligue contre le cancer. Voilà, c'est ça, voilà. C'est sympa. Ouais. D'accord. Et c'est, le food truck vient de Saint-Denis? Alors non, il vient de Sablé. Ah, c'est bien, Sablé, on aime bien les Saboliens. Il faut avoir la dame, je vous demande à la dame si vous voulez, non? Non, non, mais je vais lui demander moi-même. D'accord. Merci beaucoup Eric, en tout cas, vraiment, merci, c'est génial. Merci. Mais qui sont dissipés, c'est le matin, ils sont au taquet. Bonjour, comment qu'on s'appelle? Christian. Ça va bien Christian, j'adore votre moustache. Ah, merci bien. Et vous, comment qu'on s'appelle? Mickaël. Mickaël, ok. Et vous? Emmanuel. Et vous? Franck. Franck, bah, vous n'en avez pas de moustache, vous êtes rasé ce matin, vous, c'est bien. C'est pour votre femme, on est dimanche. Alors, vous êtes coutumier du vélo, comment ça se passe? Oui, ça fait 9 ans que je suis les amis. Et puis, bah, pour aujourd'hui, on a su qu'il y avait cette rando. Et puis, bah, ça tombe bien parce que moi, je suis originaire et mes parents habitaient la maison en face. Ah, donc, vous êtes né à Saint-Denis? Je suis originaire de Saint-Denis. C'est sympa ça. Et parce que les copains, ils sont pas de Saint-Denis? Ah non, non, ils sont bayeulois, de la Sarthe. Mais c'est bien, ça arrive à des gens super bien. Figurez-vous qu'on est la télévision de la Sarthe, ça tombe donc, bien. Du coup, je les ai sortis un petit peu du département. Alors du coup, vous allez faire quoi comme distance aujourd'hui? 49 km. C'est habituel ou... Oui, oui, c'est ce qu'on fait habituellement, ouais. Vous entraînez toutes les semaines? Eux, oui, moi, moins. Ça se voit, dis donc. On mange bien à la cantine ici, hein. Bon, et vous aussi, c'est... Oui, oui. Oui, oui, on est habitué à faire ce genre de choses quand même, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, content de découvrir un petit peu bah, d'autres chemins de rando que chez nous? Ça permet de découvrir la région en même temps, voilà. Et puis rouler avec les copains, c'est surtout ça. Ça, c'est convivial, donc. Et une bière à la fin. Alors ça, faut pas le dire, là, on consomme avec modération l'alcool. Ah, on les reconnaît bien. Pff. Après l'effort, le réconfort, comme on dit. Ah, mais tout à fait, c'est ce qu'il faut. Donc du coup, 49 km, ça se fait à peu près en combien de temps, ça va? Bah, ça dépend du parcours, hein, s'il est 2h30, 3h. Ah bah, faut vous mettre d'accord, parce que 2h30, 3h... Oui, mais ça... Ah oui, on t'a dit... Alors on y revient, l'alcool... Voilà, on va dire 3h. Non, non, mais on dit 3h en moyenne. Okay. Et donc, il y a une spécificité, il y a un endroit vraiment que vous avez envie de leur montrer en particulier, ou pas nécessairement? Bah, ça fait très longtemps que... La campagne, je l'ai fait, donc je vais redécouvrir ce qui a été préparé. Bon, bah c'est donc, ça va être avec bonheur. Bon, bah en tout cas, vous avez l'air en forme, c'est formidable, je vous laisse tranquille. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Oui, bonjour, je m'appelle Pierre-Yves. Alors Pierre-Yves, vous êtes de Saint-Denis? Non, j'habite une commune à côté, à Miré. Bah, c'est bien, ça arrive à des gens très bien, vous inquiétez pas. Alors vous êtes un marcheur? Oui, occasionnellement, marcheur sportif. Toutes sortes d'activités sportives, physiques, dès lors que ça nous permet de prendre l'air en plus, la randonnée en tous les cas, voilà. Donc aujourd'hui, vous allez faire quoi comme parcours? Alors un parcours de 13 km. Ah, c'est pas mal. Bah, c'est un bon début pour la saison 2023-2024.
C'est les bonnes résolutions pour la rentrée. Bah écoutez, oui, on va démarrer comme ça sur les chapeaux de roue, quoi. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de participer précisément à cette randonnée? C'est les chemins qui sont proposés? Eh bien, écoutez, l'environnement est plutôt sympathique. C'est pas la première fois qu'on randonne sur Saint-Denis et les rendez-vous sur Saint-Denis sont, on y vient et on y revient. C'est plutôt sympa. Donc, quand l'occasion se présente, effectivement, on y va. On y va. Et là, quand on dit on, c'est parce que vous n'êtes pas venu tout seul? Alors, je viens avec des amis, des voisins, en famille. On est quelques-uns. Petite poignée en général à participer, c'est plus convivial. Et aujourd'hui vous êtes combien? Alors aujourd'hui on est 2, 3, 4, bon on n'est que 4, hein. Une petite poignée de 4. C'est très bien. Voilà, oui tout à fait. Oui. Bon, et donc du coup 13 km ça se fait en combien de temps ça? On marche de manière assez rapide? On va dire 5 km à l'heure, donc en 2 bonnes heures c'est fait quoi. Super, en tout cas vous avez l'air d'être enthousiaste à cette idée, donc écoutez, bonne rando. Oui, et bravo. Merci, merci beaucoup, et puis bonjour à tout le monde. Super, merci. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, je m'appelle Isabelle. Isabelle, on est coutumier, vous allez marcher, vous, vu vos chaussures? Oui, tout à fait, je vais faire la rando, donc avec mon mari, voilà. On va aller dans... Il est où le mari? Le mari, il est en train de faire discuter avec les bénévoles, puisque nous, on est originaire de Saint-Denis, nous. C'est bien, ça arrive à des gens très bien. Voilà, tout à fait. Tout à fait, voilà. Donc, combien on fait de kilomètres aujourd'hui? Je pense qu'on va faire les 13. Ah, c'est bien. Ouais. Donc vous avez l'habitude de marcher, vous? Oui, oui, on aime faire les chemins de rando. Enfin, voilà, c'est le dimanche matin, c'est les chemins de rando ou le vélo, mais c'est les chemins de rando aussi. Vous faites partie d'un club? Non, pas du tout. Ah non, 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 on part comme ça, tous les deux, voilà. Ouais, ouais, sur Saint-Denis, puisque bon, on aime nos chemins pédestres. Oui, je vois ça, on est de cœur et on aime, voilà. Et dionysien, vous descendez de Dionysos parce que ça fait un peu grec, hein? Oui, tout à fait. En fait, parce que Saint-Denis d'Anjou, à l'époque, il y avait, donc ici, c'était la vente du vin, puisque le vin arrivait par la Sarthe et on avait plein de vignobles à Saint-Denis d'Anjou. Donc dieu du vin, dieu de la fête, voilà. Dionysos, dionysien. Voilà, tout à fait, c'est pour ça. Une petite leçon d'histoire toutes les deux, histoire. Ouais, bon bah en tout cas, bravo, bon courage pour votre rando, profitez bien. Et bah, surtout qu'on a le soleil avec nous, donc c'est génial. Et puis bah, c'est pour une bonne cause, donc En plus. Voilà, c'est surtout là, le dire, voilà. c'est quand même toute bonne cause, tout à fait. Au profit de la Ligue contre le cancer. Bravo et merci. Merci. Profitez bien. Merci. Alors Eric, bien sûr, on a évoqué les bénévoles, mais il y a aussi les sponsors. Ah oui, les sponsors, je remercie d'abord la maison Picard qui m'ont prêté les quads, il y a Leclerc, il y a Willy et Alliance qui m'ont beaucoup aidé pour le donner. Il y a tout le monde que je remercie, que vous allez voir sur le tableau. Voilà. Et ça, je remercie beaucoup. Bon bah c'est formidable. Bon bah c'est pas qu'on s'ennuie avec vous Eric, mais va falloir qu'on s'en aille nous. Bah oui, je vous remercie beaucoup, c'est gentil d'être venu. Oh bah nous on est hyper contents, on adore nos voisins, on adore les Mayennais. Bah mais, là on repart en Sarthe, on va à Alonne maintenant. D'accord, donc vous n'êtes pas chauvin alors? Oh mais non, on n'est pas chauvin, nous on aime les Mayennais, bon, on les c'est adore. C'est parfait alors. Bon bah bonne rando. Merci et beaucoup. Bravo, hein. Et merci. Et vraiment bravo. Et merci à vous. Merci.